Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Amel, ça fait 4 ans et demi que je vis à Dubaï et sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils aux gens qui veulent s'expatrier ici ou y venir en vacances. Je vous avais promis une vidéo sur l'exposition universelle qui va se dérouler à Dubaï du 1er octobre au 31 mars 2022. Cette expo, on en parle depuis 8 ans maintenant. Normalement, elle devait se dérouler en octobre l'année dernière, mais à cause du Covid, elle a été repoussée. D'ailleurs, le logo et la date n'ont même pas été changés. C'était vraiment super important pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram et vous êtes quand même 70% à avoir répondu que vous n'aviez pas compris ce que c'était l'expo et ce qu'on allait pouvoir y trouver. Et certains d'entre vous ne savent même pas ce que c'est une exposition universelle. Donc dans cette vidéo, on va vraiment revoir les bases, je vais tout vous expliquer, tout vous simplifier et normalement, si je fais bien mon taf, à la fin de cette vidéo, vous allez tous booker vos tickets pour visiter l'expo. Avant de commencer, je précise que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Thallium Consulting. Thallium Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie et développement d'entreprise et c'est la référence pour les francophones qui souhaitent s'installer à Dubaï. Ses fondateurs sont implantés depuis plus de 12 ans aux Émirats, ils connaissent très bien le marché et disposent d'un large réseau. Thallium Consulting offre en complément de la création de société des prestations de services en marketing digital, recrutement et comptabilité. C'est aussi un cabinet d'avocats avec notamment des avocats inscrits au barreau de Paris et des conseillers juridiques aux Émirats. Ils interviennent dans divers domaines du droit, tels que le droit des contrats, le contentieux des affaires, le droit fiscal ou encore le droit immobilier, aussi bien pour des problématiques de droit local que de droit français. Thallium Consulting accompagne plus de 1000 entrepreneurs chaque année, et ça dans plusieurs pays, que ce soit des startups ou des PME, dans plusieurs secteurs d'activité, comme le e-commerce, l'immobilier, les nouvelles technologies, l'énergie ou encore la restauration. Si vous êtes intéressé et que vous avez un projet entrepreneurial aux Émirats, je vous mets toutes les informations pour les contacter dans la description de cette vidéo. Alright, c'est parti! Les expositions universelles, elles existent depuis 170 ans, donc c'est pas quelque chose qui a été inventé par Dubaï. On sait que Dubaï aime bien lancer des choses un peu folles et nouvelles, mais là pour le coup, c'est quelque chose qui existe depuis presque 2 siècles. En général, les expositions universelles, elles ont lieu tous les 5 ans dans un pays différent, avec un thème différent, sur une durée de 6 mois. Pendant ces 6 mois, le pays organisateur accueille d'autres pays sur son territoire pour qu'ils puissent montrer leurs dernières innovations et leurs dernières avancées technologiques. Et ça, dans absolument tous les domaines. C'est d'ailleurs en 1889, pendant l'exposition universelle de Paris, que la Tour Eiffel a été dévoilée. Pour le pays qui reçoit, l'exposition universelle, c'est sa vitrine technologique, industrielle et artistique. Selon le Bureau international des organisations créé en 1928, une exposition universelle, elle doit répondre à un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir. Donc vous comprenez bien que pour un pays qui accueille une exposition universelle, les enjeux économiques sont énormes. Et forcément, les Émirats qui sont très compétitifs, ils ont vraiment mis le paquet sur cette exposition pour qu'elle attire le maximum de monde et qu'elle soit la plus mémorable possible. Cette exposition, elle est vraiment historique pour les Émirats parce que c'est la première à être organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. On attend 25 millions de visiteurs sur les 6 mois. Normalement, hors Covid, ce sont 16 millions de personnes qui visitent Dubaï sur une période de 12 mois. 192 pays y participent. C'est énorme, on n'a jamais eu autant de pays qui participent à une exposition. Et la nouveauté aussi sur cette expo, c'est que chaque pays aura son propre pavillon. La taille du site de l'expo fait 438 hectares. C'est 10 fois la superficie du Vatican et 2 fois celle de Monaco. Il y aura plus de 200 événements, spectacles et défilés qui se dérouleront à l'exposition quotidiennement. Des milliers d'entreprises y participent. D'ailleurs, le cabinet Thallium Consulting sera également présent à l'exposition et il organisera régulièrement des séminaires sur différentes thématiques. Pour faire la promotion d'un événement d'une telle ampleur, les Émirats n'ont pas lésiné sur les moyens de communication. Il y a eu plusieurs vidéos promotionnelles qui ont fait des dizaines de millions de vues sur YouTube. On a pu y voir des superstars comme Lionel Messi, Will.i.am ou encore Chris Hemsworth. Personnellement, je trouve que la campagne la plus réussie, c'est celle avec Will.i.am. Ce qui est très dommage, c'est que pour la version française, ils ont fait le choix de faire un doublage en français et du coup, je trouve que ça avait beaucoup moins d'impact que la version en anglais. Du coup, là, je vais vous diffuser la vidéo avec la voix de Will.i.am, mais les sous-titres en français. You weren't there. You weren't there when humans conquered fire, when they wore animal skin attire or invented the bicycle tire. You weren't there when they created algebra, built the pyramids in Giza or painted the Mona Lisa. You weren't there
When they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity or made flying reality. You weren't there. When they composed the classics or discovered antibiotics, made the mechanical clock or taught the world to rock. But you could be there and with your own eyes witness new acts of human genius. Be there to see the alliance of art, music, fashion, and science. See a futuristic festival filled with ideas new and radical. Performances magical in a 6-month-long spectacle. This you can't afford to miss. It's the best of humankind in the greatest show of our time. Bon, là, je pense que vous commencez à un peu mieux comprendre de quoi il s'agit, mais je vois que c'est pas encore super clair pour vous. Parce que c'est bien beau, toutes ces vidéos, cette promotion avec les stars, de nous dire que ça va être le plus fabuleux des spectacles, mais concrètement, qu'est-ce que l'on va trouver à cette expo? Je vous le disais en début de vidéo, une exposition universelle, elle doit avoir un thème dont l'objectif principal est l'éducation du public. Le thème que les Émirats ont choisi est connecter les esprits, construire le futur. Il y a également 3 sous-thèmes qui sont la durabilité, la mobilité et les opportunités. Et là, je vois qu'en vous disant ça, je viens de vous perdre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ce thème et ses sous-thèmes? L'ambition de Dubaï avec cette exposition, c'est de donner un aperçu du futur. Sur le site de l'exposition, il va y avoir 3 districts qui seront appelés durabilité, mobilité et opportunité. Et dans chacun de ces districts, vous allez retrouver les pavillons de chaque pays. L'objectif du district de la durabilité est de sensibiliser au développement durable, de partager les dernières avancées technologiques qui protégeront et préserveront la planète et les générations futures. Dans ce district, on retrouvera notamment le pavillon de Singapour, qui a reproduit une forêt tropicale à consommation énergétique net zéro, ou encore le pavillon des Pays-Bas, où vous pourrez découvrir une ferme verticale. Le district mobilité, ça va concerner tout ce qui touche à la circulation des personnes, des marchandises ou encore des données et des idées. On y retrouvera notamment le pavillon de l'Australie, où vous pourrez découvrir l'histoire des premiers astronomes du pays, mais aussi le pavillon de l'Algérie, parce que oui, étant d'origine algérienne, j'étais obligée de placer ça dans cette vidéo. L'objectif de ce district, c'est de montrer comment on peut créer des connexions pour créer des opportunités qui auront un impact sur les générations futures. On y retrouvera notamment le pavillon de la Suisse, où vous pourrez faire une randonnée en expérience immersive, ou encore le pavillon de Monaco, qui proposera une expérience kaléidoscopique. C'est super difficile à dire. Bien entendu, la France aura également son pavillon pendant cette exposition et il se trouvera dans le district de la mobilité. L'objectif du pavillon français sera de promouvoir les idées, atouts et talents français. Il y aura 5 expositions temporaires qui se succéderont sur le pavillon français pendant les 6 mois de la durée de l'expo. Chaque mois, un art sera mis à l'honneur. Il va y avoir l'art digital, l'art cinétique, l'art de la table, la mode et l'architecture. Il y aura entre autres une exposition sur Notre-Dame ou encore Jean-Paul Gaultier. À ne pas rater aussi pendant l'expo, c'est le pavillon des Émirats qui aura une forme de faucon, ou encore le pavillon de l'Allemagne où vous allez pouvoir écouter un orchestre de robots qui va jouer du Beethoven. Mais quoi que ça, c'est quand même un peu flippant quand même. Un autre élément très important de cette exposition, c'est le bâtiment central qui s'appelle Al-Wasl Plaza. Il s'agit du dôme avec la plus grande surface de projection à 360 degrés au monde. Et dans ce dôme, il y aura des spectacles et des concerts qui s'y dérouleront quotidiennement. Et là, après tout ce que je viens de vous dire sur l'expo, j'entends déjà les haters de Dubaï en train de râler et de dire que cette exposition est une catastrophe écologique et que malgré le thème choisi, elle n'a rien de durable. Eh bien, figurez-vous que non, les Émirats ont vraiment fait l'effort d'intégrer des principes de conception durable dans les bâtiments, les infrastructures et l'aménagement paysager de l'exposition. Ils ont même été récompensés par le SICAL pour son excellence sur le plan de la durabilité. Pour les tickets d'entrée, vous avez 3 options. Le ticket une journée, au prix de 95 dirhams, il vous donne accès à l'expo pendant toute une journée. Le ticket multipass, au prix de 195 dirhams, vous pouvez accéder au site les 30 jours qui suivent votre première entrée. Et le pass saison, au prix de 495 dirhams, vous pouvez y aller en illimité pendant les 6 mois de l'exposition. Les tickets sont en revanche gratuits pour les moins de 18 ans, les étudiants, les seniors et les personnes en situation de handicap. Vous pouvez également obtenir un ticket gratuitement en bookant votre billet d'avion avec la compagnie Emirates. Une dernière précision par rapport aux règles sanitaires concernant le Covid, pour pouvoir vous rendre à l'expo, il faudra soit être vacciné ou présenter un test PCR négatif. Le port du masque et les règles de distanciation sociale devront également être respectées. Il y a vraiment de très grands enjeux économiques qui se jouent sur cette expo. L'idée d'un tel rendez-vous, c'est aussi que les professionnels du monde entier s'y retrouvent pour connecter et créer de nouvelles opportunités. Avec l'exposition, les Émirats veulent attirer les touristes,
mais aussi les investisseurs du monde entier. Si vous avez un projet de création d'entreprise aux Émirats, vous pouvez profiter de cette opportunité pour concrétiser vos projets et bénéficier de la dynamique d'un tel événement. Encore une fois, si vous avez besoin de conseils ou d'être accompagné dans votre projet de création d'entreprise, le cabinet Thallium Consulting peut s'occuper de toutes vos démarches administratives et vous conseiller d'un point de vue stratégique, financier, juridique ou encore marketing. Il vous suffit de les contacter, que vous décriviez votre projet et ils vous feront un devis détaillé. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'en plus d'être la référence francophone, ils travaillent en toute transparence et ils s'engagent à vous rembourser la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Alright, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair et que vous comprenez mieux ce qu'est l'Expo 2020. Personnellement, je trouve que c'est un événement historique à ne pas manquer et ça va aussi arriver l'année où le pays va fêter ses 50 ans d'existence. Et quand on se dit qu'avant tout ça, il n'y avait que du sable, on ne peut que saluer tout ce chemin parcouru. Leur histoire, ils sont en train de l'écrire. Dites-moi en commentaire si vous comptez venir à l'Expo, quels sont les pavillons qui vous intéressent. Moi personnellement, je compte prendre un pass 6 mois parce que je pense qu'en une visite, ce sera impossible de tout voir. Donc peut-être qu'on se croisera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.